Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo structure de l'album. Vous avez déjà vu toutes les pages, mais là on va faire la faire structure et le contour. Voilà. Et je suis toujours accompagnée de Louise qui m'aide toujours pour cet album. Et là, c'est la dernière je sais, vidéo. On verra si c'est la dernière. Non, ce ne sera pas la dernière vidéo. Non, on va faire d'abord la structure. On a besoin de quoi pour la structure? Ah oui, il y a la décoration Mais oui. de la structure. On a besoin de quoi pour la structure? D'un carton grand de 22 x 22, comme ça. Voilà. Il le voit, il le voit. Là, on ne voit pas trop. Mais... Un carton de 9 x 9 fois 22. Sur 22. Et un carton de 22 sur 22. Voilà. Alors, on va utiliser... Du tapis. Donc, Louise, elle appelle ça du tapis, mais c'est pas du tapis, c'est du tissu. Regardez, oui, c'est vrai. Ça, moi, je trouve que ça fait tapis. C'est vrai, on pourrait dire. Mais c'est du tissu pour reliure, pour album. Donc, on va prendre... Il est en lin gris. Donc, je vais prendre la mesure que j'ai besoin et... On va couper. Et on va... voilà. Voilà, donc j'ai découpé ce que j'avais besoin au niveau du tissu à reliure. Donc là, je suis en train de mettre le double face. Et donc, Louise va commencer à enlever le double face de la première partie qu'on pourra coller ensuite. Et puis ensuite. Elle est en train de faire la deuxième partie. Voilà, vas-y. Donc là, la structure de l'album... Il est très dur à enlever. Non. Je vous dis tout de suite. Ce sera... assez simple. Aïe, je me suis fait mal. Que je t'aide. Non. Donc là, le matériel, je vous le mettrai à chaque fois dans les vidéos. Hein. Oui, je vais le fermer, mais il faut qu'on commence dans l'ordre. Donc, le matériel, je vous le mettrai en barre d'infos. Hein. Aïe, je me fais mal. Attends, je vais te le faire. Je peux fermer. Je vous le mettrai en barre d'infos à chaque fois, en fait. Ah non, je vais faire le plus beau. C'est lui le plus beau, donc... Donc là, moi, c'est la première fois que je fais un truc avec ce papier. Je vais pas y arriver. Une structure, enfin, oui, une structure d'album avec un papier comme ça. Donc, je vais voir ce que ça donne. J'ai toujours fait d'habitude avec du papier ordinaire, en fait. Donc là, je commence. Tiens, vas-y. Non, j'ai trouvé la règle. Ah, bah, c'est bon. J'ai réussi. Vas-y, alors. Ah ! Oh ! C'est moi qui t'ai fait mal ? Tu m'as poussé, du coup, ça m'a rentré dans le Ah mince, je lui ai mis le coin du carton. Non, ça, dans le doigt. Tu bouges pas le carton. Hop. T'arrêtes de... Ah, je me colle au doigt. Mais ça m'a fait mal. Non, c'est moi qui ai fait le... Alors, fais-le. Ah, oh, tu m'as aidé. Voilà. Alors. Donc, ça fait comme ça. Ça va coller. Donc là, je me mets là pour le premier. Est-ce que tu sais, Louise, comment on fait pour être sûre de la distance qu'on a besoin entre les deux cartons? Oui, tu fais comme ça. Tu fais tchouk. Et on met le même carton de la même épaisseur. Voilà. Comme ça, tu auras la bonne épaisseur pour pouvoir faire ta reliure. Ah, mince. D'accord? Allez, vas-y. Enlève le double face. Et toi, t'enlèves l'autre. Ouais, j'espère que c'est pas des vidéos trop chaotiques de votre côté, voilà. Nous, en tout cas, on passe un bon moment toutes les deux. Entre filles. Voilà. Mais j'espère que pour vous, c'est vous comprenez tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Ouais, parce que nous, on comprend, parce qu'on sait ce qu'on fait. Oui, heureusement. Si on fera n'importe quoi et qu'on fera au pif et que ça sera super joli, là, ça sera du coup de chance. J'arrive pas à Je te les commence si tu veux. Ouais, les autres. On a pris un peu d'avance, mais... Oh, merci. Tiens, Louise, vas-y.
Non, je vais essayer de le faire tout seul. Hop, est-ce que tu voudrais essayer de le Mais coller non, t'as commencé pour me l'ouvrir. T'es méchante. Mais non, je sais pas. Vas-y, allez, t'essayes de le faire? Ah, garde-le. Et moi Alors, il faut que tu te mettes à la même distance aussi. Vous voyez ce qu'on fait, oui. Alors. Ouais, vas-y. Attends, parce que je crois que t'es un petit peu décalé. Ah. Alors, regarde, on va se mettre comme ça. Hop, 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 et appuie là, pas. Regarde. Voilà, ça doit être bon. Ouais, super. C'est super bon. On fait de l'autre côté. Je mets le petit. Attends, enlève-le que je me mette à aligner. Vas-y. Hop. Vas-y, lâche. Et ben voilà, c'est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir. Je vais essayer de venir marquer le pli tout autour de. Je peux le faire dedans. Attends, je vais le faire un petit peu lisé. Après, tu pourras le. Voilà. De tous les côtés. Moi, on va venir découper et après, tu vas m'aider à coller ça. Ouais. Ça sera collé comme ça. Comme voilà. Ça. Donc là, je vais découper, on va découper les angles d'abord. De travers un petit peu. Ouais, super, Lucie. Et à chaque fois, on laisse un tout petit bout de papier pour qu'on puisse faire le coin pour qu'il soit bien joli. Hop, je fais l'autre côté. Un peu, un tout petit coin. Un petit coin. Donc voilà, donc là. Là, on va commencer par les grands côtés. Et après les petits. Et après les petits côtés. Et voilà. Hop. Et voilà. Tu m'enlèves de l'autre côté, Louise, pendant que je. Donc là, je vais venir bien épouser la forme du carton avec mon. Mon tissu, voilà. Je voulais le faire. Tu y arriverais à enlever les autres? Tiens, vas-y. Hop. C'est bon? Tiens, tiens, c'est moi qui fais. Alors, avant de coller, écoute-moi bien, voilà, tu épouses bien la forme avant de coller. Encore, encore. Attends, ils voyaient pas. Mais les si, 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 ils voient. Mais c'est moi qui. Allez, ben vas-y. Voilà, super, ma grande. Génial. Et donc là, le petit jour là, qu'on a laissé. Attends, attends, non, non. Voilà. C'est que le petit jour qu'on a laissé, là, hop, on va venir le rabattre dedans. Là, je vais faire de l'autre côté. Voilà. Comme ça, ça fait un joli coin. Regardez. Hop. C'est comme ça. On fait comme ça, les gens. Voilà, je sais pas. Et voilà, ouais. Voilà, super, Lisa. Ouais, ça marchera. C'est bon, c'est bon. Et là, de ce côté aussi. Hop, vraiment dans le coin. Ouais, génial. Voilà. Donc c'est là. C'est bien. Tu les enlèves? Voilà. Tu veux le coller celui-là? Oui. Tu épouses bien la forme de. Je l'ai collé lui. Ouais, avec c'est pas grave, je l'ai fait. Alors, attends, montre bien. Donc, tu épouses bien la forme du carton d'abord. Et ça veut dire. Se mettre plier. Bien faire le pli, voilà, c'est ça. Et après, t'avais tu peux coller. Dit qu'on le voyait pas, mais si on le voit. Oui, mais il va être caché, on met du papier dessus. Oh non! Et donc là, ça, c'est fait. On va venir doucement marquer. Doucement marquer le pli. Là, là c'est bon. On voit bien les trucs. Je peux faire le truc. Oui. Attends, en même temps, tu as. Ah. Voilà, donc en même temps qu'on est. Qu'on, ouais, fais le. Voilà. C'est bien. Et là en bas aussi. Ouais.
Attends, j'ai pas fait jusqu'au bout. Voilà. Super. Et là, l'autre côté. Ah, tu l'as mal fait. Moi, j'ai mieux fait. Vous avez vu, je suis plus forte que maman. J'ai mieux fait mon truc parce que regardez, quand on plie, il n'y a pas une bosse. Ouais, là, c'est bon. J'ai un seul coup, chiffre. Et puis maman, elle, quand on pliait, elle avait une bosse. Voilà, donc notre... Là, ça fait ça. Notre structure, elle est faite. Quand on pliera le papier, ce sera comme ça. Et quand on posera, ce sera comme ça. On va faire la reliure maintenant, Louise, on poursuit. Et la reliure. Donc là, pour la reliure. C'était violet quand c'était comme ça. J'ai pris un papier de 29,7 sur 21 cm. Donc, je vous mettrai par ici tous les plis que j'ai réalisés. Et donc, j'ai fait les plis pour avoir 6 pages. Donc là, je vais venir coller d'abord mes emplacements de pages. Et ensuite, je viendrai le coller à la structure. Je vous retrouve quand j'ai mis tout. Voilà, donc on continue la reliure. Attends un petit peu là, Louise, pour que les gens y voient. Voilà, vas-y. Donc on enlève le double face et on colle la partie intérieure de la base pour coller les pages. Donc Louise, elle enlève le double face. Et ensuite, elle n'a plus qu'à les assembler les uns aux autres en collant bien. Voilà, et tu continues sur les 6 pages. Je n'avais pas collé les pages avant. On va les mettre après, là. Mais comment on va faire pour coller? Bah, tu vas voir. Ah, on fera là, ouais. Et on mettra des doubles faces. Ouais. Tu continues. Mets-toi bien ici pour que les gens y voient. Voilà, tu continues. Et après, il ne restera plus qu'une page. N'hésite pas à bien appuyer tout le long. Voilà, super. Et la dernière. Ah, elle est rentrée, elle, si c'est bon. Regarde, mets-toi de l'autre côté, sinon. Et tourne. Ah. Okay, bon. Attends, j'essaie de faire. Tourne-le, sinon. Comme voilà. Ça. Ah, ça fait, regarde. Ben oui, ça va faire à plat, là, après. Tu vois, regarde, hop. Tu veux le faire? Ah, ça fait comme si on avait des trucs de l'air là. Des grilles d'aération, tu veux dire? Oui. Ah oui. Voilà, donc les pages, on essaie à chaque fois de les plier dans les deux sens. Tu veux faire un et petit après, coup? Et après, regarde. Voilà. On tourne la grille. Donc avant de mettre les pages, on va venir mettre du double face derrière et le coller au milieu. D'accord? Je vous retrouve quand j'ai mis le double face. Donc là, toutes nos pages sont faites. On a mis du double face derrière qu'on va enlever. Oui, vas-y, vas-y. C'est moi qui ai fait. Et on va venir le coller au milieu de l'album. Hop. Voilà. L'avant-dernier. Et le dernier. Voilà. Alors, là, j'ai fait sans problème. Avant de coller, on se met bien au milieu avant de poser ou quoi que ce soit. Parce que là, le double face, une fois que tu es posé, tu pourras plus le défaire comme tu veux. Donc, on se met bien. On peut voir. Et je veux voir. Voilà, on est pas mal. Voilà. Et là, tu peux appuyer. Vas-y. Tu peux prendre ton plioir dans l'autre sens, carrément, et faire comme ça. Voilà. Super. Tu vois, comme ça, ça... Voilà. Et là, on va refaire la pliure que tu avais faite tout à l'heure, là. Tu veux le refaire? Oui. Je suis toute blanche à côté de ma fille. J'ai bronzé depuis. Avant, j'étais beaucoup plus blanche. En même temps, c'est l'été.
Voilà, donc là, j'ai fait bien ma pliure de ce côté. Hier, j'étais beaucoup, beaucoup plus blanche que là maintenant. Et je vais faire la pliure de l'autre côté. Par contre, de l'autre côté, c'est comme hier, j'étais comme ça de l'autre côté. J'étais de cette couleur-là. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va venir mettre dos à dos les pages en fait. Donc la une, vous voyez ce que je fais, ouais. La une va venir ici. Et dos à la une, on va mettre la 2. La 3. Et etc, etc. Et on va mettre du double face. Qu'est-ce que je fais? Parce que la double face, il va être juste ici. Ouais, si on peut faire comme ça. On va mettre comme ça. J'enlève le double face, Lise. En fait, elle met et moi j'enlève. Ouais, c'est ça. Alors, on pourrait très bien, entre les deux pages, faire des pochettes. Sauf qu'on n'a pas... Mais voilà, on n'en a pas l'utilité ici. Donc, alors, attends, parce que si ça marche... si tu vas de travers, après, c'est... Tu t'es mis bien droite. Et Par contre, tu l'as bien mis à l'endroit. Ouais, c'est bon. Tu m'as fait peur. Ça, c'est bon. Alors, celle-là... Attends, parce que je ne sais pas si les gens ils voient ce qu'on fait. Mais c'est pas grave, parce qu'on va aller venir coller l'autre dessus. Attends. J'enlève les premiers. Ah. Oh. Les ailes. Attends, parce que les gens ils voient pas ce qu'on fait. Désolé, les personnes. Hop. On dit désolé les gens ou désolé les personnes. Bah comme tu as envie. Tu veux les appeler comment? Ceux qui me suivent. Les gens. Ça se trouve, il y a des scrappers qui vont voir ta vidéo. Mais oui, ils vont voir la vidéo. Voilà, donc là j'ai envie que ça tienne mes pêches parce que j'ai toujours peur qu'elle soit trop lourde. Pardon, Louise. J'ai toujours peur qu'elle soit trop lourde et qu'elle s'affaisse et qu'elle se défasse. Une fois, t'as fait un album et avec. Et il penchait. C'était le cartable de Mathias. Ah oui, mais ça, c'est normal. Hein. C'est parce qu'il avait beaucoup de pages. Non, je suis en train de l'avoir. Oui, le dernier, je te mettais. Ouais, donc là, on va venir coller la deuxième page dessus. Ouais. Alors là, on fait bien attention. Déjà, on se met bien dans le bon sens. Ouais. C'est dans le sens. Non, attends. Et là, je suis plus dès qu'il a les cadres. Il faut que tu t'alignes là d'abord. Comme ça. Voilà, ouais, comme ça. Là, ici. Et logiquement. Attends, on est où là? J'ai peur. Attends. Si on est à la pliure. On est vachement bien. Regarde, on voit la pliure. On est nickel, voilà. Quand on fait les bonnes mesures, normalement. Voilà, donc je pense qu'on va poursuivre. Ça va aller, tu t'es cognée. On va poursuivre nos hors caméra. On se retrouve quand on a terminé de coller les pages. Maintenant qu'on a fait toutes les pages, on va vous montrer qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est pas grave, on finira de le faire après. Oui, tu peux montrer. Bon, vous savez, hein. Voilà, c'est ce qu'on avait fait ensemble, hein, de toute façon. Bon, je vais juste vous montrer les pages. Je vais pas vous montrer comment c'est. Aussi, tu peux montrer les déjà. Nous, on connaît déjà. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça, voilà. Oh. Ah, c'est ça. Voilà. On cachera ça. Hein. Oui, il y aura du papier dessus. Ne vous inquiétez pas. Voilà, l'autre page. Ouais, tu peux montrer que comme ça si tu veux. Ah oui. Voilà. Te rappelle. Voilà. Et là, c'est que c'est un tag. Voilà. Voilà, un tag. Hop. Pas trop loin, c'est bon. C'est bon, Luce. Ah, oh, c'était voilà. Que ça? Celle-là, oui. Ah, je m'en souvenais plus. Il y en a qui étaient plus courtes que d'autres, mais.
Ouais, la dernière, elle était plus courte. Elle, c'est... Pourquoi t'as fait ça? Pour la fermer? Non, mais cette pliure. Ah non, mais c'est une erreur encore. Louise, elle voit toutes les erreurs que j'ai faites. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Moi, j'ai commencé à faire à partir. Voilà. Voilà, super. On va effacer les trucs, hein, vous inquiétez pas. Mais oui, il n'y aura plus rien après. Il n'y aura plus rien après. Hein. De toute façon, on mettra du papier. Ça, c'est celle avec les enveloppes qu'on avait faites. Et qu'on avait duré un petit peu. Pas beaucoup de temps. Non, plutôt. Ça va, celle-là. Elle, on avait. C'était comme la une. Oui, voilà, c'est exactement celle. Là, elles sont identiques. Voilà, regardez. Mais sauf que là, c'est pas dans le même sens. Voilà, c'est ça. Ça fait comme ça, voilà. Oui, c'est pareil. Et là, c'est pas grave. Elles sont, c'est pas grave. On voit toujours ça, mais il y aura du papier. Il y aura du... Ça se verra plus après. Attends, mais... De toute façon, normalement, vous aurez vu la vidéo déjà finie avant de voir cette vidéo-là, en fait. Normalement, j'aurais quand posté... On montrera... Ah, ça s'est collé. C'était la même. C'est comme la 8 et voilà, la 9. Voilà, c'est ça. Et là... Et la dernière. Qui la dernière qui était la plus courte. Voilà, c'est tout. C'était ça. Voilà, donc là, on a terminé. Moi, je vais venir rajouter du papier sur la fin des deux côtés. Je vais certainement rajouter des petites pochettes. La vidéo tuto, elle s'arrête ici parce que je pense que vous avez déjà vu. Normalement, j'aurais posté avant la vidéo où c'est fini, donc vous aurez vu les papiers terminés. Par contre, je vais certainement faire une vidéo, mais certainement en musique. Sur les embellissements que je vais mettre sur la couverture de l'album. La couverture voilà. De donc, nous, est-ce qu'on a passé un bon moment, Louise? On pourra parler dans la vidéo. On verra. On verra si on fait une vidéo parlée toutes les deux où on embellit l'album ou si on fait une vidéo en accéléré. Bon, on verra. Vous verrez, toute voilà. Façon. Sinon, moi, j'ai passé un bon moment avec ma fille Louise pour réaliser cet album. Et moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt, soit pour le... Je pense que je vous la mettrai après la vidéo... Je vais pas y arriver de la couverture et sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir bye, tout le monde. Bye bye.